c'est un marathon exceptionnel par l'ambiance, par l'organisation, par les participants, et c'est un marathon auquel je tiens énormément parce que je suis un ancien vainqueur, et en plus de ça j'ai gardé d'excellentes relations avec les organisateurs. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir de revenir sur ce marathon. Je suis un marathonien tout le temps, toute ma vie c'est le marathon. Effectivement, j'ai le privilège et la chance d'avoir gagné quelques marathons, réussir de bons chronos et participer aux Jeux Olympiques, mais le plus important c'est le marathon, c'est l'ambiance, c'est le dépassement de soi, voilà le marathon. C'est pas uniquement la performance, hein, c'est toute une philosophie, c'est toute une vie. J'ai fait les Jeux Olympiques de Séoul en 88, Ouais. 88 c'est quand même j'ai fait. Est-ce que tu te rappelles un petit peu dans l'équipe qui y avait? Bah, il y avait le... Qu'est-ce qu'il y avait? Enfin, le vainqueur, c'était Bordin, donc l'Italien. J'ai dit Bordin. Il y avait Alain Lazard et Alex Gonzalez. Oui, on est partenaire sur le marathon pour la première fois. Ouais. Et nous souhaitons continuer pour les années à venir. Eh bien, nous avons les grandes compétitions de l'Ouest, hein, donc Saint-Paul Morlaix, le marathon de Vannes, Tourangeau, le marathon vert, la Corée de Longue, Saint-Grégoire, en tout cas pas mal de compétitions, mais La Rochelle et le marathon de Mantes. Bon, les Français courent. Les Français courent, aiment le sport. Effectivement, pour courir mieux, je fais des chaussures. Mais le plus important, c'est de faire du sport. Parce qu'il n'y a pas que des chaussures, il y a aussi l'envie de faire du sport. Bien sûr. Merci beaucoup, Nandine.